Et bonjour, salut Bibi la diva. Comment vas-tu, Bibi la diva? Avec ton mari Bip. Ça va? Tu as vu que j'ai fait le bip à la bouche, hein. Bof. Ah. Ah. Mais pourquoi ce nom, du coup? Parce que... Bonjour tout le monde d'ailleurs. Ça y est, rien à foutre. Ouais, je stream? Non, 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 mais rien à branler. On va discuter. Georges, c'est Georges. C'est Georges le mari, effectivement, c'est Georges. J'avais oublié. Et oui, pourquoi non? Parce que j'arrive. J'arrive et tu dis non. Alors que j'ai pas encore dit de conneries. Ah, vais-je me jouer? Non. Ah, c'est simple. Ah, d'accord. D'accord, bah merci, ça me fait beaucoup plaisir. Et bah tu sais quoi, on va tester tout de suite. Hop, tout de suite, mon skill à Isaac. Hop. Yes. Alors, aujourd'hui, et bah nous allons faire un petit daily challenge comme hier. Aujourd'hui, ça a l'air d'être du Kane. Donc on va aller voir qu'est-ce que ça donne du côté de K1. Hop. Un Sélar. Putain, un Sélar pour commencer. Ils sont moins sympas qu'hier. Hein. Bon, quand est-ce que tu te mets à Isaac de ton côté d'ailleurs? Est-ce que tu as terminé, Life is Strange d'ailleurs? Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé et je sais que tu étais dessus. Est-ce que tu l'as terminé? Non. Oh là là, mais alors? Mais alors? À croire que tu as des choses à faire. C'est quand même dingue ça. Les gens qui ont des enfants. Et qui doivent s'en occuper et qui ont du job et qui vont pas très bien des fois. J'ai terminé aucun jeu depuis Zelda sur Game Boy. Ouais, mais à l'époque ou. Hop. Bon, ça commence mal, hein. On s'est déjà fait toucher. Non, mais ils ont fait une daily. Ils ont fait une daily run. Avec que des araignées, ils le savent. Que je les aime pas. Ils le savent que j'allais détester. Est-ce que c'est une daily? On va avoir des salles d'objets ou pas? On va aller voir ça tout de suite. J'ai bien peur de pas pouvoir terminer bientôt. Justement, si c'est la reconfinade, tu vas être chez toi. Coucou Rabia. Y'a Rabia qui me cache la moitié de l'écran. Voilà, c'est bon, elle a bougé son cul, enfin. Son gros cul poilu de chat. Vivement qu'il te réouvre. Ah, tu as des kinks. Tu as des kinks assez bizarres. Mais chacun ses kinks, hein. On ne juge pas. Ici, on ne juge pas. C'est le motto de la chaîne. Pas de jugement sur les kinks. Tu aimes avoir des personnes en toi de la manière que tu veux. On ne dira rien. Je sais que c'est ironique.
Alors, qu'est-ce que Mystery Egg? Ah ouais, je crois qu'au bout d'un moment, le truc va éclore, il va me filer un familier. Le jour où vous en avez marre de cette de la musique de base du jeu, vous me le dites. Hein. On changera peut-être si vous êtes sympa. Oh, The Hunt. Oh mais non. Bah, je vais mourir. Bah voilà. Voilà, je vais mourir. Je déteste The Hunt. Je déteste les petits fantômes déjà. Les petits fantômes, faut les mind gamer en fait. Faut aller vers eux. Hop, 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 et voilà. Ah voilà, c'est bon, leg avec l'eau. Hop. Qu'est-ce qu'il fait ce débile? Regardez, il fait rien. Il est complètement con. Ah bah voilà, et non seulement il faisait rien, mais en plus il est mort. Hop, du range. Je pense qu'il est le mieux, hein, mais bon. On va prendre ce que le jeu nous donne. La limace à cœur, trop mignon. Bah, en fait, c'est un ennemi à la base. Mais ce glandu faisait rien en fait. Ce qui est pas forcément très utile. Hein. Hop. Oh yes, cœur bleu, tout de suite. Cœur bleu maintenant. On va essayer de choper un Devil Deal. Enfin, si on s'est pas trop touché en fait. Si. Mais elle est où? Elle est où? Mais. Mais. Attends, je pige rien à ce que tu racontes ce soir! Elle est où la limace? Doit y avoir une référence, mais je l'ai pas. J'ai pas la ref. Hashtag j'ai pas la ref. Le rune bag. Qui va, comme son nom l'indique, me filer des runes. De temps en temps, quand il sera décidé. Ah d'accord, ok. La limace, c'est le boss qui l'a tué. C'est pour ça qu'elle a disparu. Si tu es triste... si tu es triste, sub à la chaîne. Ah mais on peut pas encore, merde. Si tu es triste, ramène des gens. Et fais en sorte qu'ils follow. Créer des... Ah ça y est, tu as trouvé le... Putain, tu as trouvé le... Les emotes Isaac. J'ai pas d'amis. T'as des enfants? T'as des enfants avec des comptes? Inscris tes enfants sur Twitch et tu les fais suivre à mon compte. Little Horn. Ça va. Des fois il s'explose tout seul, c'est bien. C'est cool quand il s'explose tout seul ou qu'il se met sur un feu. Oh, ça va être long. Je sais pas comment il fait pour sortir des trucs aussi grands que ça de lui, de son corps là. On le voit pousser hein, et après il sort des trucs énormes. Ça doit avoir du mal à passer quand même. Hein.
Ou alors il mange beaucoup de fibres. Hop, Little Steven. Ouais, il est mignon. Little Horn, il est mignon. Les bébés font pareil. Ah! Ah! Bon bah super, bon bah, on va tenter les God Room. Vu que le jeu veut pas me filer des bons objets. Ok. Les réflexes. Pourquoi t'as rien pris? Parce que c'était deux objets nuls en fait. Donc il y a pas de... J'allais pas perdre des cœurs, tu vois, j'en ai que 3. J'allais pas perdre des cœurs juste pour des objets bof tier quoi. C'est pour ça que j'ai pas pris les objets. Mais du coup, tu vois, j'ai à gauche, j'ai 50% de chance en fait maintenant d'avoir des God Room à la place des Devil Deal. Donc ils ne me coûteront rien et qui peuvent avoir des objets craqués, mais qui peuvent avoir des objets aussi très nuls. Hein, mais on perd des cœurs avec le. Alors sur le Devil Deal, oui, en fait le Devil Deal justement c'est le principe, c'est tu files un ou des cœurs en échange d'un objet plutôt pas dégueu quoi. C'est un pacte avec le diable, hein, tu sais. T'as rien gratuit avec le diable. Hein. C'est un capitaliste. C'est un sale capitaliste hein, qui te file rien gratos. Bon alors le pur je te l'accorde. Le reste. Le reste quoi. Un D20. Alors le D20 il me change les objets qu'il y a dans la salle. Une jolie pièce. Eh mais dis donc quoi? Eh mais dis donc rien du tout. Je vais pas contredire le streamer quand même. La ciseau. La ciseuse. La blanquette, que je n'ai pas débloquée d'ailleurs dans ma run. Hop, mais... Yes. On va bomber BFF. BFF, c'est toujours un succès. Hein. Hop, le petit chat qui revient. Les ciseaux. Ah, j'hésite. Je perds trop. Non, je vais garder le perd trop. Je verrai. Je vais revenir après. Ah merde. Merde, merde, merde. Hein? Ah! C'est l'objet que j'ai obtenu. Enfin, le compagnon que j'ai obtenu, c'est le gros caca. Allez, gros caca. C'est bien, il va tout me planquer en fait. Finalement, je vais pas voir les boss. Parce qu'il va tout me planquer. C'est la merde. Oh, 1, 2. Ah! Je me suis fait toucher. Allez, crève. Vite, faut que tu meurs vite, voilà. Oh, il y a des caca. C'était les miens, c'était pas les miens, je sais pas. Hop, 1, 2,
3, 4. Ok, ça c'est nul. Ça me donne pire, merci. Ok, un cœur. Il y aura abondance. Ok, un petit cœur. Des caca à cœur. Alors, les rouges, c'est pas des cœurs. Les rouges, justement, c'est des caca qui font du dommage. C'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. C'était ça. Je sais plus ce que. Ah, mais merde, je me suis planté en fait. C'est pas le truc que je pensais. Ah merde. Aïe. Aïe. C'était pas le truc auquel je pensais. Mais je sais plus qu'est-ce qui prend des dommages du coup, c'est pas la tête. Hein. Bon, j'espère pas. On verra. On verra. Au pire, on perdra. Perdre Isaac, ce n'est pas grave. C'est même plutôt commun. Hein. Hop, des petites bombinettes. Heureusement, j'ai BFF. Et donc, mes petits compagnons ont plein de vie, ont de la force. Donc, c'est eux qui vont faire du dommage. Ok. Alors, c'était pas le bon endroit, comme d'hab. Hein. Waouh, des pièces. De la thune. Ok. On va pouvoir aller dans le shop, vu qu'on a 15. Waouh, y a de tout là. Ouais, y a de tout là. Y a tout comme les comme ennemis. On a un peu un petit mix. Alors le dernier est où ? Pas les derniers, je croyais qu'il n'y en avait plus qu'un. Ok. On prend notre temps. C'est comme ça qu'on va y arriver. Et... Oh c'est bien, c'est mon familier qui l'a buté. Une fois que les familiers servent à quelque chose. Oh le vieux relou là. Le vieux relou qui m'empêche de faire du dommage là. Ok, c'est quoi? C'est une dagaze. Une dagaze, ça me donne un cœur bleu. Donc yes, j'aurais dû la Hiera, ça m'en aurait donné deux. Et j'y pense toujours après. Ok, ça c'est fait. C'était le plus emmerdant. Ok, le shop. Oh là là, merde, il c'était plus que ce que je pensais. Oh, j'ai cru que c'était un ennemi. Ok, j'ai Diplopia. Attends, j'ai le Diplopia, j'ai le cadeau. Le diplo, si on a un Devil Deal, c'est cool, quoi.
Le diplo, si on a un Devil Deal, c'est cool. Le cadeau, c'est si on a une God Room, c'est cool. Je le sens plus sur... sur la God Room, donc on va partir sur le cadeau. Oh, lui, il me fait flipper. Il me fait flipper, mon copain, là, mais... Oh là là là. Je sais pas quoi est à moi... The Hierophant, on va à la Hiera, comme ça, hop. Des cœurs. Et des cœurs. Nickel. Voilà, je suis un peu safe niveau cœur, là. La Datsuki. Ok. On va l'utiliser à côté. Ok, ça m'a ouvert la porte en bas. Ça c'est D6. Je sais plus si c'est D6 au niveau de l'étage ou pas. Je pense que c'est D6 au niveau de l'étage. On va aller du coup au boss. On va aller au boss et on reviendra. Ah merde, 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 merde. J'ai un Holy Mantle ou quoi? Ok. Ça c'est le. Mom's Lipstick. Mom's Lipstick. C'est quoi? C'est du range? Est-ce que ça serait pas de la range? Lipstick. Mom's Lipstick. Qu'est-ce que ça donne? Du temps, la portée, la hauteur de tir. Voilà ce que j'en dis. Donc on va utiliser la salle là-bas pour faire un D6. Il me semble que c'est sur tout l'étage. J'espère que c'est sur tout l'étage. Là, là, là. Donc ici j'ai Adatsuki. Hop là. Et donc, nous avons un objet nul. Merci l'objet nul. Oh, j'espère que j'ai mieux comme objet de boss parce que. Ouais non. Ou j'ai du tears up ou du dommage, ça serait cool. Speedball. J'avoue que j'espérais mieux. Un jour je vais le toucher, hein. Promis, un jour je vais le toucher. Oh, ça va être les nonos, ça.
Ils vont se transformer en nonos, c'est évident. Juste pour me fumer, quoi. Ah non. Transformons mon mouche. Et quoi? Agalas, destruction, bah ça tombe pile poil au bon endroit. Voilà, ça m'a rien donné, mais. Anthony, casse-toi, oh là là là. Oh là là. Tu râles, tu râles. Je râle toujours. Tu... ah, je suis étonné que tu t'en rendes compte que maintenant. Je râle environ tous mes streams depuis que je stream. Avant, je râlais sur Avorpal quand je jouais avec lui. Et maintenant, je râle sur le jeu. Je trouve que j'ai un peu trop de troll bombes là. Oh, je suis pas passé loin. Ok, on va quand même rentrer dedans pour voir ce qu'elle a à nous proposer. Ouais, j'aurais peut-être assez un moment pour le petit cœur. Ah, d'accord, le marchand me donne rien du tout. Et c'est pas cool. Sachez-le, monsieur le marchand. C'est pas très sympa. Hop. Merde, j'ai avancé trop vite. Ah, chier. Oh, c'est bien, j'ai un nonos noir pour m'aider, donc ça c'est cool. Par contre, le nonos noir pour me filer un coup de main. Oh là là, il fait le taf. Hein. Juste j'ai BFF, donc il y a plus de vie. Oh, je me mets dans le truc, je me mets dans la. C'est con, hein. C'est complètement con. De ma part. De me mettre dans le sang. Ah voilà, à chaque fois, va falloir vraiment que je fasse gaffe à ces trucs-là. Pour le moment, à chaque fois, je me fais avoir. Ouais, pas ouf. Pas ouf, on va le prendre. Je me ferai toucher, hein. Ça servira. Est-ce que... Ewaz, passage, mais... Hop, passage vers l'étage en dessous. Je vais quand même essayer de terminer 2-3 salles histoire de récupérer. Quoi? J'ai pas compris ce qui m'a touché. Hop, bon déjà je peux récupérer un cœur, c'est cool. Ce que je veux moi c'est des sous. Des sous s'il vous plaît. Marion, je te conseille de regarder, il y a... Et merde. Deux touches. C'est de la chiasse. Algiers, résistance, ouais. Je vais plutôt prendre Algiers vu mon... Oh, vu mon niveau. Je vais m'être plus utile... que le reste. Ok. Ok, c'est bon. Fallait voir quoi. j'ai compris. Ah oui, il y avait le petit... oui, non, il y avait le... Le petit ver qui bondissait. J'aurais pu le voir. Mais il est mort. Ah là là, les nonos. Je les déteste, les nonos. Oh là là, mais... les nonos noirs, quoi. Je déteste les nonos. Il y en a un là. Hop, je t'ai vu. Je t'ai vu, petit coquin. Toi, je t'ai vu aussi.
vous promets, je joue à ce jeu, je suis en apnée. Hein. Ah, le petit camarade là. Ok. Et pas de sous. Je vais tenter, allez. Oh, oh yes. Le dry baby, au pif. C'est cool. T'as pas vu. Faut suivre le stream, hein. Faut pas faire autre chose hein, pendant ce temps-là. Tu perds beaucoup de choses sinon. Tu entends beaucoup de conneries. Et il y a des trucs que tu vois pas. Ok. Alors. Oh. Ouais, voilà, j'ai claqué Algis parce que je le sentais pas. Bah ouais, je suis là tous les jours. Hein. Je suis là tous les jours. Non, mon but là, c'est d'avoir les. Il y a des trucs à débloquer sur Twitch. Et coucou à Vorpal d'ailleurs. Et il y a des succès à débloquer. Et je veux le succès 25 jours streamé en un mois. Ça non. Ça oui, par contre. Ça oui, et les deux. Et le cadeau, il me donne quoi? Ah, Book of the Dead, il est pas mal. Le Pinta, le Ceremonial Robe. Pour être partenaire, déjà, si j'étais affilié, ça serait pas mal. Mais je suis loin d'être affilié. Hein. Pour être affilié, faut 3 viewers de moyenne sur les 30 derniers jours. Et j'en suis très loin, je suis à 0,9, un truc dans le genre. Et il faut 50 follow et je suis à 23 quoi. Donc déjà je suis très loin d'être juste affilié quoi, donc le partenaire. Tant de dire que ça sera en 2025. Mais c'est cool, il y a du monde. Je me fais plaisir sur Isaac. Je gueule beaucoup hein, mais je me fais plaisir sur Isaac, faut pas croire. Et je suis pas masochiste, hein, je me ferai pas du mal à ce point. Et voilà, c'est cool quoi. Je passe du bon temps. En plus, bah là, en ce moment, je suis confiné, donc j'espère avoir mes résultats de test PCR demain. Donc voilà, quitte à être bloqué chez moi, je bosse la journée, le soir je me fais un petit Isaac. Tout cool. Toi, mon cher Avorpal, comment vas-tu? Oh, ça commence à être le bordel là sur l'écran.
Ça commence à être le bordel. Duel sub, c'est parfait. J'ai plein de pièces, allons-y. Oh, il est vénère. Il était super vénère. Ok. La blank rune. Merde, je sais plus ce qu'a fait la blank rune. J'ai un trou. La blank rune. Elle copie un truc, mais elle copie quoi? Blank rune. Donne aléatoirement l'effet d'une rune, d'accord. Ok. Bah on laissera dans le. On laissera dans la salle de boss. Ouais, ouais, non, je garde Algis. Moi Algis, je sais que. Elle me protège. Donc du coup, ouais, je pourrais tester Blank rune à côté. Pas dans cette salle là, parce que si elle me fait un changement. Ah, elle m'a refilé une blanc rune. Ok, dual jazz. J'ai pas eu mon objet. Et moi vouloir être le chat. Non, moi vouloir mon objet. Ok, bah je peux voilà me péter un cœur. Hein. Hop, que j'ai rattrapé juste derrière. Oh, ça va être trop bien ça par contre. Cette salle, elle va être trop trop bien pour générer derrière. Hop là. Oh, la salle horrible. La salle horrible. Je la déteste, je la déteste. Le Guardian Angel. Ouais. Allez, on va faire une run. On va faire une run familier. Ah, tu coaches qui à Vorpal pour sur Hades? Maman. Ah, une blue mom pour bien faire chier. Eh bien, tabasse en fait. C'est à mon avis la plus dure des mômes hein, quand même, hein, la Blue Moon. Je ne sais pas si cet avis est partagé, mais... Ok, donc on chope. Kirel, c'est qui? Est-ce que je la connais? Salut Mr. Froggins. Merci de repasser, ça me fait plaisir.
Est-ce que tu connais ce petit jeu? Est-ce que tu connais ce petit jeu qui s'appelle Isaac? Petit jeu indé. Encore merci hein, pour la dernière fois. Ça m'a fait extrêmement plaisir et ça me fait encore plus plaisir. Voilà que tu repasses. Que tu vois, que tu vois mon merveilleux niveau. La méga flemme. Allez, Enceuse. Oh, on va pouvoir couper. Trop bien le Enceuse. T'as acheté Four Souls? Ok. Et ben moi j'avais kickstarté Four Souls. Ah voilà. Ah tu dis plus rien. Je faisais partie de ces pigeons. Qui ont filé de la thune sur le Kickstarter. Ok. I'm excited, non, on va éviter. Infested, c'est cool. Pourquoi pigeon? Pourquoi pigeon? Mais parce que dès que Edmund Macmillan sort quelque chose, j'achète. J'achète, je me pose même pas la question. Et j'ai pas assez d'amis pour jouer à Four Souls. Ça fait deux conneries. Ça fait deux conneries. Donc le jeu traîne sur une étagère. On s'est pas encore servi. C'est quand même moche, quoi. Oh, ça... Ah. Putain, j'ai réussi. C'est rare, hein. C'est rare que je me fasse pas avoir. Sur les lasers dans ces salles-là, c'est très très rare que je me fasse pas avoir. Est-ce que je m'améliorerais? Là est la question. Dagaz, bah Dagaz, on dit ok. Ah mais non, j'étais full cœur, je suis nul. Allez, moi, je suis un fou. Ouais, c'est ça. Tout seul, Four Souls, c'est pas ouf. Elle sup, non, on va pas le prendre. Ok. Oh, ce codex. Quel boss horrible. Alors, il est pas horrible en termes de difficulté, mais il est horrible en termes de longueur. Ça dure des plombes. Ouais. Apparemment, il n'a pas d'amis pour jouer avec lui. Alors, on va. J'ai pas assez d'amis proches physiquement. Est-ce que ça te convient un petit peu mieux? La faute là d'habiter dans le trou du cul du monde là. Alors je suis allé voir un peu ton stream, Mr. Froggins, et ça m'a vachement filé. D'ailleurs, Bibi et la diva en témoignera. Ça m'a vachement filé envie en fait de changer mon habillage quoi. Parce que j'ai trouvé le tien super propre, super clean, et ça veut dire la même chose. Hein. Je l'ai dit deux fois. Mais je parle anglais en fait, donc j'essaie de le montrer. Et ouais non, ton habillage est vraiment super chouette, les transitions et tout sont cool. Et donc ouais voilà ça m'a motivé pour me dire faut que je me sorte un peu les doigts du cul et le truc que j'ai fait à l'arrache en 5 minutes avant mon premier stream faudra peut-être un petit peu que je l'améliore. Donc voilà merci doublement, oh là là, merci triplement, quadruplement à toi.
Et ouais, du coup, c'est toi qui as tout fait tout seul ou du coup, tu as pris un ou une graphiste pour t'aider ou un pote peut-être qui te l'a fait. Enfin, je sais. Comment tu t'es retrouvé avec ce merveilleux habillage? En fait, je trouve ouais, super sobre, mais bien fait. Enfin, ouais, non, c'est vraiment chouette. Je vais sûrement te piquer des idées, hein. Ah, tu es game artiste. Ok. Ok. Ça peut aider, effectivement. Contrairement à moi qui suis nul. Pas artiste du tout dans l'âme. Ni dans la technique. Cette salle. Un petit guppy là. Un petit guppy. T'as même pas un objet de guppy quoi. Ah, ah, ah du tears up, c'est merveilleux. Non mais Marion, ouais, je demande pas déjà je demande pas de faire. Je demande juste des petits conseils niveau couleur, tu vois. Déjà, ce sera un très très bon début. Ouais, non, mais clairement, enfin, voilà, j'ai ma boîte à titre pro. Et oui, dès que j'ai eu besoin, en fait, de faire des cartes de visite et de faire mon logo, tout ça, j'ai évidemment embauché une graphiste, et en plus c'est une nana que j'ai connue par Twitter, et ouais, j'adore ce qu'elle fait, donc je trouvais ça plutôt cool en fait de la faire bosser. Et mais ouais, là je me dis, bon, est-ce que pour le streaming je me sors du budget pour faire un truc un peu plus propre, ou pour le moment j'essaie de faire quelque chose d'un peu mieux, même si c'est pas exceptionnel quoi. Mais sinon, non, ouais, j'ai des contacts, j'ai des noms. Si j'ai besoin de faire quelque chose de plus carré. Ou alors, je ferai le sac à merde, je ferai un concours. Je ferai un concours. Disant, oh là là. Allez-y, faites-moi un habillage. Et après je choisirai le meilleur et je vous ferai de la pub. Moi et mes 4 viewers. Ça va marcher à mort. Essaye pour voir. Ça va venir me casser la gueule. Main de maman. Yera. Là, on n'a rien. Quand même garder Algiz. On viendra le chercher, le Yera, s'il y a besoin. Oh, ce bruit. Ce bruit de l'enfer. Par contre, ça va recharger mon objet et ça va être cool parce que là, il y avait un max d'ennemis. Hop là, c'est trop bien. Là en fait, pourrais jouer à Fall Souls. Et donc, ouais, cet objet, en fait, l'objectif que j'ai me permet de transformer les ennemis que j'ai tués dans la salle en protection autour de moi ou en petit. En nonos. En ennemi nonos qui m'aide. Et donc plus il y a d'ennemis dans une salle, et plus ça va me générer de protection. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est d'attendre les salles vraiment où il y a beaucoup d'ennemis, et puis le claquer à ce moment-là, quoi. La Black Rune, je suis à Scared Womb.
2, donc j'aurai pas de. J'aurai pas d'objet, donc il va pas me servir à grand chose. Ah, mais là je peux avoir un. Je peux avoir un débit. Oh. Je vais garder mon Algis. Si tu veux une gamme de couleurs sympa rapidement, il y a le Colors qui est super. Mais j'y suis allé tout à l'heure, ouais. Pas besoin de faire des études, ça génère une palette de couleurs très cohérente avec toutes ces nuances. Ouais, moi en fait, faut que je trouve une palette de couleurs qui aille avec mon petit canard jaune. Avec un bordel mon perso. Bah oui, entre les ennemis qui deviennent mes copains, les trucs qui tournent autour de moi, les familiers par milliers. Ouais, effectivement, c'est un peu le bordel pour lire là. J'adore ce canard. Bah merci beaucoup. Et fun fact, c'est un vrai canard en fait. J'ai cet avatar depuis. Merde, je vais révéler mon âge si je le dis. Mais ça fait presque 20 ans que j'ai cet avatar là. Et c'est un vrai canard en fait. C'est le premier canard en plastique qu'on m'a offert, que j'avais pris en photo, que j'avais mis sur une feuille blanche. Et que j'avais détouré à la grosse en fait, et j'ai toujours gardé ce truc là quoi. Faudrait que je refasse une photo et faudrait que je le fasse un peu plus propre. Ce serait le détourage, c'était vraiment dégueulasse. Mais voilà, c'est un de mes canards quoi. Qu'est-ce que t'es jeune. Ça pourrait être marrant de le redessiner un jour. J'ai justement la graphiste qui m'a fait mon logo en fait, qui m'avait fait un canard jaune dessiné. Je pourrais le ressortir de temps en temps. Alors, on va se concentrer 2 secondes. Casser la gueule de Hitleaves. Ça, c'est fait. Le petit Devil Deal. Yes. Yes, yes. La succube. En fait, qui se déplace dans les pièces. Qui fait du dommage. Et quand je suis dans sa zone d'effet, en fait, mon dommage à moi aussi est augmenté. Hop, et on descend. Donc du coup ton avatar, c'est toi qui l'as dessiné aussi. Et donc quoi, de ce que j'ai vu, t'étais pas affilié, t'étais pas encore affilié non plus, c'est ça? Bisous Bibi la diva. Et non, j'ai commencé il y a peu. D'accord. Et bah voilà, tout le monde, allez voir la chaîne de Mr. Froggins. Voilà, je vais mater un petit peu. Les streams sont cool. Si tu cherches des gens pour faire du speedrunners, je serais partant d'ailleurs. Je t'ai vu faire du speedrunners. J'avais joué un tout petit peu et donc j'ai pas un niveau exceptionnel quoi, mais c'est vraiment un jeu cool. Et ouais, non, vraiment, n'hésitez pas à aller le voir et à follow sa chaîne du coup. Qu'il passe affilié. Ah cool.
Non, mais enfin, n'hésite pas, hein, c'est, voilà, t'as l'air cool. Si vous cherchez un petit vieux avec qui jouer. Non, c'est normal pour la. Enfin, voilà, t'es venu la dernière fois, c'était sympa. T'aurais une chaîne de merde et pas qualitative, avec des jeux que je piche pas. J'aurais peut-être pas dit. Mais voilà, ouais, non, ça a vraiment l'air la bonne ambiance et tout, donc. Donc voilà, y a pas de raison que. Y a pas de raison que. J'envoie pas les gens sur ta chaîne, quoi. Ah, The Emperor, ça me permettrait d'y aller directement, mais j'aurais pu mon Algiz. Et j'aimerais bien le garder. Donc, nope. Oh là là, mais. Sont pas sympas, eux, hein. J'ai rien vu. J'ai été complètement aveugle. Beaucoup d'heures sur Isaac. Là, avant que je reprenne, alors, il y a toujours tu dis qu'il y a des bons retours, mais il y a encore plein de choses à faire. Il y a toujours des choses à faire. Enfin, a priori, c'est ça qui est bien. C'est quand tu as des marges d'amélioration, c'est plutôt intéressant. Et beaucoup d'heures sur Isaac. Avant de reprendre, là, j'avais 750 heures sur Isaac. Donc, j'avais fait le 1 million de pourcents. Et donc, là, depuis que j'ai repris, vu que j'ai streamé pas mal, je dois être à 800 heures là. Après, je pense. Donc, effectivement, on peut peut-être dire que j'ai pas mal d'heures sur Isaac. Après, par contre, ça faisait super longtemps que j'avais pas joué, donc là, je reprends quasiment de zéro, quoi. Enfin, voilà, je connais un petit peu les techniques, je connais les. Je connais, même si j'ai oublié les bons objets. Ah, mais en fait, je reprends pour repentance, en fait. C'est je veux être à niveau pour repentance quoi, donc je reprends vraiment pour ça quoi. Je suis super hypé. Franchement, s'ils ont fait. Honnêtement, s'ils font la moitié de ce qu'ils ont dit, et de ce qu'ils continuent à dire, déjà rien que la moitié, déjà le jeu sera exceptionnel quoi. Donc s'ils font tout ce qu'ils ont dit, mais ça va être juste, juste dingue quoi. Pourquoi je me retrouve avec deux Berkano? Oh, pas grave. Allez, Zolemb. Ça, c'est plutôt cool. Hop, ça, c'est aussi très cool. Ça, c'est pas cool. Les troll bombes, on n'en veut pas. Addicted, non. Berkan. Du Tears Up, yes. Infested, yes. Hop. Bon. Comme d'hab, c'est pas le bon endroit. Un petit cœur doré. Parce que pourquoi pas. Pourquoi pas avoir des sous au dernier étage. Là, si je tombe sur un money call power, voilà quoi. Attends, pour une future partie, je vais te dire. Hop. Oh, ça a dû clignoter. Ça a dû clignoter. Alors, il est où?
Ouais, je suis en train de démarrer Discord. Parce que je connais pas mon identifiant Discord, hein, évidemment. Ah, mais il met diplôme à démarrer en plus, ce con. Je suis où? Je suis là. Putain, mais c'est où qu'on voit son identifiant? Ah mais merde, je trouve pas mon... je sais pas où est mon identifiant. Qu'est-ce que ces conneries? Ah, c'est peut-être parce que je suis en mode streamer. Ah, peut-être. En bas à gauche, me dit Avorpal. Ben non, mais j'ai que... Ah, attends. Attends, attends. Hop. Et est-ce que... Ah, yes. Hop. Je t'ai envoyé un whisper, hein, Mr. Froggins. Donc, n'hésite pas. Hein, tu me dis... quand tu en lances un... Et on verra si je suis dispo. En fait, il suffit juste de cliquer sur son pseudo dans Discord pour qu'il soit copié. C'est pas con. C'est pas con comme système. Le coupon, mais le coupon qui me servira que dalle ici. Bah voilà mes sous. Bah le v'là le pognon. Du pognon et de la luck. Le mulligan. Alors, dagaz, ça me file un cœur bleu. Ok, je vais tous me les prendre. Cœur rouge là-bas, hop, je vais générer des trucs. Ah merde, il arrive de l'autre côté. Ouais. Ah, la Black Rune, ouais. Elle va me servir à un truc, la Black Rune. Et là, j'ai mon coupon. Ah ben non, c'est inactivable. Merde. Merde. Quel dommage. Si t'as d'autres jeux comme ça en multijoueur, Mr. Froggins, n'hésite pas aussi, ça peut être cool. Je sais qu'une petite partie de Worms ou un petit Ah ouais. Ah ouais, vous êtes vénère comme ça vous. Ou un petit Tricky Tower, voilà, c'est des jeux que j'aime bien quoi.
Oh, mais pourquoi ils vont vite comme ça hein? Ils sont 32 dans la salle. Oh là là, le coffre rouge qui me donne deux araignées quoi. Hop. Et bah heureusement qu'il y a le mulligan, hein. Ok. Rapide. Je pensais qu'il serait plus lent que ça. Ouais, peut-être falloir que je garde des cœurs pour Zolem, moi, à un moment. Putain, mais merde. Le boss le plus naze du monde, à chaque fois, il me touche. Hein. Relax, non. Ok, ça c'était quoi? Une blank rune, qu'est-ce que ça me donne? Je sais même pas. J'ai pas fait gaffe à ce que c'était. Alors, bon, il est où ce The Lamb? Qu'on y casse sa petite gueule. Perd trop, ah mais perd trop, oui. Hop, perd trop. Ouais, mais moi, c'est tous les boss du jeu qui me touchent. Puis ceux qui sont difficiles me touchent aussi. Alors, bon. Et toi, ça fait longtemps que tu joues à Isaac, du coup? Ah, oh, mais c'est encore pas le bon chemin, quoi. Ah là là, mais cette vitesse du boss, il est trop rapide quoi. Je vais reprendre ça. C'est quoi ? Ok. On reprend Berkano, on viendra chercher la Blank Rune. Oh là là, mais toujours pas le bon chemin quoi. Oh putain! Oh l'arnaque! L'arnaque! Je me suis foutu dans le coin. Je me suis foutu dans le coin et j'ai serré les fesses très fort. Et c'est passé quoi. Ace of Diamonds, non. On fout d'avoir du pognon maintenant, hein. On a juste envie d'aller tabasser The Lamb. Ou de se faire tabasser par The Lamb d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas la super secret ici? Ok. Je vais quand même aller prendre. Non, pas ça. Voilà. Ça. Hop. Un petit Berkano. Oh, il a l'air chaud là, Lemb. Oh, il a l'air méga chaud. La tête en premier. Oh là 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 là. J'avais oublié qu'il dashait. A chaque fois j'oublie qu'il dash. Il y a un coffre.
Il y a un coffre qui apparaît. Oh, oh non, mais je vais pas crever maintenant. Tout de même. Ah mais le coffre me gêne. Hein. Le coffre me fait chier. Le coffre me fait chier. Oh, c'est Mamzwig. Trop bien. Ah non, 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 non. Allez. Maintenant, il n'y a plus que le corps. Ça, c'est ok. Formalité. Hop là. Allez, j'ai réussi à l'avoir. Toujours un peu joué, mais je me dis, il n'y a pas longtemps. Je dois avoir 400 heures de jeu. Ah oui, d'accord. Quand même. Bah, dit le mec, on a 800. Et ben voilà, on a réussi. Donc, c'est le deuxième... La deuxième Daily Run à la suite, 463 en termes de score et 439 sur cette Daily Run. En termes de temps. Hop. Oh, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait un Rocco Siffredi juste derrière moi. Okay. On ne dira rien. C'est peut-être le vrai d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Qu'est-ce qu'on peut se faire? Un truc qui peut aller assez vite. Un truc qui peut aller assez vite. On peut jouer avec The Lamb. Ça va aller très vite, c'est sûr. Apollyon, je suis un peu dégoûté de la dernière fois. Lilith, on peut faire. Lilith, on peut aller direction Isaac, quoi. Au pire, on meurt. Alors. Un XL. On aura deux objets gratos. Faudrait que je chope des bombes. Alors, bah voilà, je voulais des bombes. Je voulais des bombes et bah j'ai des sublimes bombes. Toutes roses, toutes mignonnes. Avec des strass. Est-ce que... Non, j'allais dire avec de la chance. Nope, nope, nope. Et caca mignon. Mais non, mais non. Oh là là. Ah là là. Touché par un caca, quoi. Eh ben merci beaucoup, et si t'as des retours, enfin voilà, t'hésites pas non plus. Et à une prochaine, passe une bonne soirée. Et merci d'être passé. C'était vraiment chouette de pouvoir discuter un peu avec toi. Voilà, je voulais un small rock et le jeu me donne un coffre. Quel dommage.
Alors, le mendiant. Est-ce qu'on le fait... Ouais, on le fait péter, allez. Allez. Faut que je trouve ma deuxième salle d'objets. Et bah qui est ici. C'est super. J'aime quand le jeu se passe comme ça. J'espère un petit brimstone en Devil Deal. Pas grand chose un petit brimstone. Ah. Du range, ok. Yes. Je crois que je l'ai pas encore eu. Pardon. Pardon. Je crois que je l'ai pas encore eu le toxic liquid. Donc Bah merde. Ça y est, je suis en train de mourir. Cool. Blue Cap qui me file un bon tirite. Plutôt un truc sympa. Mais par contre j'ai claqué mon. Moi ça va. J'ai claqué mon objet en fait sur le boss d'avant. Donc je l'ai plus. Pour ce double monstro. Ça va, ça reste monstro. J'ai fait un bon choix en fait. Vu que Larry à chaque fois je choke dessus. Plutôt cool que. Alors, HP up, est-ce que je le prends maintenant ou... Ouais. Je le prends maintenant. La couille de Guppy. Elle me permet de faire du dommage. Hop, avec Lilith au cac. Ta-da-da-dam. Ici, de coffre simple, franchement, pas s'emmerder pour ça. Je me suis vu me faire toucher. Hein. Je me suis vu me jeter dessus. Quelle indignité, mes amis. Voilà, voilà, oh là, non, non, il y a des nonos partout. Il y a des nonos, moi, les nonos. J'aime pas ça. On va y aller, on va utiliser notre objet. Et on va casser la gueule des nanos. Hop. Allez, faut que j'y aille doucement. Si j'y vais prudemment, c'est ok. Et merde. OK. Bon, comme d'hab, je suis pas allé au bon endroit. Mais ça. C'était. Oh là là. Non, 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 non
Oh, la vitesse à laquelle il va, lui. Donc ça va, j'ai réussi à sauver un peu le truc, mais... J'ai flippé la blank card. Pas la blank card. Malheureusement, on va pas l'utiliser. On va garder notre objet. C'est beaucoup plus safe. Parce que Lilith sans son objet là, c'est un peu compliqué quand même. Lemon party. Ok. Je vais assurer le coup. Je vais prendre le cœur. Ce que je veux, c'est ne pas mourir. Donc c'est quand même le choix le plus logique. Par contre, l'avantage de m'être fait beaucoup toucher là, c'est que la couille de Guppy est devenue énorme. Je pourrais l'utiliser même. Genre là. Voilà. Ah, Kenty Forever. Je pourrais peut-être retourner sur les salles d'avant. Ici, j'ai une batterie au cas où. Yes, un small rock en plus, il a bien pété pour que j'y accède. Trop bien. Ça, c'est le genre de truc que j'aime. On va aller buter le boss et après on reviendra. Ouais. Pipe. Ok. Alors, de la viande. Oh. Pourquoi on se tape Krampus? Ah mais, en plus, il a l'air décidé à vouloir nous casser la gueule. Merde. Oh là là, mais non, mais... Ok. Lump of coal, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. J'ai eu le Hackensy Forever, donc... Je vais essayer de trouver les salles secrètes. Je reprends ça au cas où. Ça coûte rien qu'il soit rechargé. Ok, salle de sacrifice. Ici nous avons la secrète. Que je dépense, mais j'ai pas beaucoup de clés. Je vais pas dépenser mes clés pour ça. Hein. Pour des coffres simples. Et la super secrète. Elle n'est pas là. Donc ça doit se trouver dans le coin là-bas. Oh là 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 là. Hop. Hop. Ah. C'est la couille qui a fait exploser le truc, quoi. C'est la couille de Guppy qui a fait exploser l'ennemi. Oh. Oh non, mais je me jette dessus, quoi. Erreur de ma part, hein, je me jette dessus. Mais j'ai pas trouvé le... Ah, d'accord, non, ok. La super secrète, elle doit être dans une partie à droite. Ah, elle se traîne. Hein. Elle se traîne en termes de vitesse. Alors, hein, la secrète, la super secrète... Elle se trouve là.
Chiant de trouver celle-là. Et elle ne me sert à que dalle. Tant pis. Alors, je vais claquer mon The Hermit. Comme ça. Hop, et on va prendre le cœur. Et on va prendre le cœur. Voilà. Alors, les caca maïs. Si je sais pas, je sais plus ce que c'est. Je ne sais plus. Ouais, Mom Sperm, ok. Ouais, non, là, je vais assurer le coup. Ouais, j'allais dire, je vais assurer le coup, mais en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. J'assure rien. J'assure pas. Hop, un petit cœur éternel. Si nous avons une clé. Merde, je me déplace pas. J'étais trop focus sur ce qu'il y avait au-dessus et pas assez sur le truc du milieu. C'est dommage. Oh la tirelire. La tirelire, vraiment. Tire-lire cochon. La couille de Guppy qui me fout dans la merde. Oh, ce Fallen quoi, mais je peux avoir des boss pas trop compliqués, c'est possible ou... Ah merde, sur la fin quoi. Il restait pas grand chose hein. Seven Seals qui va m'affiler, voilà. Un familier, et c'est plutôt cool, vu que c'est ce qu'on cherche. Avec Lilith. Plus on aura de familier, mais ce sera. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un coffre doré. Pas assez rapide, pas assez rapide. C'était dommage, mais pas assez rapide. Tain, je vais arriver dans mes cœurs rouges là. Ça pue. Ça pue pour mon prochain Devil Deal. Pas sûr de le terminer cette run. Hein.
Ok, un cœur bleu, ça c'est cool. Ça va peut-être me sauver pour mon Devil Deal. Ok. Ouais, que je regarde un peu les rochers marqués aussi. Je fais pas attention aux rochers marqués là sur cette run là. Merde, merde, merde. Je me rappelais plus de ses ennemis. Hein. Je vais essayer de cramer les feux histoire de récupérer des trucs. Voilà, une pièce, c'est toujours ça de prix. Bon. Bah, je crois que c'est mon familier qui a tout fait, hein. Enfin, du moins qu'on a fait une bonne partie. Alors, oh là là, mais merde quoi. Je veux des vrais. Je veux des vrais objets, ça serait possible. S'il vous plaît le jeu. J'en appelle au dieu du jeu. File-moi des vrais objets. Et me file pas des coffres, je veux des... Vas-y. Vas-y petit mec, file-moi quelque chose. Non, file-moi des trucs bien. S'il te plaît. Bon allez, hop, un HP up. C'est mieux que rien. Oh putain, j'ai plus de clé. Je voulais aller au shop et j'ai plus de clé. Et par le plus grand des hasards. Le plus grand des hasards, nous avons la secrète qui est attenante. Hop. Donc c'est cool. Je peux prendre le cœur bleu et je peux reroll. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est cool. Les sacs, on dit oui. Ça file plein de ressources. Les trinkets, non. Mais par contre, on peut reprendre un cœur. Reprendre un cœur, on peut refaire péter la machine. Oh, les soldes, ça arrive que maintenant, quoi. Ah. On va reprendre de la thune. Enfin, de un cœur, et puis... on va se barrer. C'est dommage, c'était pas mal. Si on avait eu le Steam Cell avant, ça aurait été cool, mais bon. On aurait pu prendre d'autres. Probablement prendre d'autres objets. Mais il est arrivé trop tard. Petit cooking. Yes. Bon, on peut y retourner. Ok, en fait, ça va me donner quoi? En fait, ça va me donner quoi? Si je le prends là, ouais, voilà, après j'ai plus de thunes. Ouais, ça aurait pu me filer la blue map, mais... Ouais, puis je peux même pas me payer le cœur à 3 balles. Puis on va voir si jamais je réussis à récupérer une pièce d'ici là. On l'utilisera.
Bon bah voilà, des pièces. Hein. Strength, ça peut me filer... Strength, ça peut me filer un cœur rouge. Quand même dans la salle d'après. Et jamais... Des fois que... Voilà, des fois que le jeu aurait décidé de me filer quelque chose. Ah, pour une fois, je me suis pas fait toucher en rentrant dans la salle. Ouais, je me fais pas chier. Bon, il est mort assez vite. Hein. Le placenta, oui. Ça me donne un HP et de la régène. Alors là, il y a un truc. Là, il y a un truc à faire. Là, il y a un truc à faire, mais ça peut être à double tranchant. Je peux prendre le truc. Qui me sacrifie des familiers. Et... Ouais, non, j'en ai pas assez. Voilà, ça me sacrifie des familiers, mais ça me file des objets de Devil Deal à la place. Sauf que si ça me sacrifie le familier qui permet de... me permet de faire du dégât, d'envoyer des larmes, bah j'ai plus rien pour faire des larmes, quoi. Donc ma run est morte, quoi. On va éviter de déconner avec ça. J'ai Little Brimstone maintenant. Ah mais oui, parce que elle a Incubus. C'est vrai. Au bout d'un certain moment, quand je me suis fait toucher, elle génère des familiers. J'avais oublié ce truc. À chaque fois, je l'oublie. Hein. Allez, j'ai cyclé, go. La donation machine. Tout garder les. En plus, il y a une blood donation. Ah, pin. Hop, ça c'est fait. Encore ? Ah, la même salle, à peu d'intervalle quoi. Bah yes, hein. TechX, mille fois. Hein. Mille fois on prend TechX. Hein. Ah. Comment je peux faire? Ok, bon, j'ai le cœur, c'est cool. Il pop sur ma gueule, hein, vraiment.
Non, 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 oh là là là. Oh, ces angoisses que je me tape, quoi. Ces angoisses. Bon, a priori, c'est un ennemi qui pétait fort. Mais pourquoi tous les ennemis m'explosent à la gueule là, d'un coup? Ah, c'est le. Ah non, c'est le. D'accord. C'était le familier, ok. Je vous ai compris. Et encore le familier de merde. Stormy peut être cool, mais là non, vu qu'il faut que je garde mon. Faut que je garde mon truc. The Hermit, non, on s'en fout, on garde Strength. La carte. La carte, ouais, franchement, la carte, ouais. La carte, le cœur bleu. Et on fait péter. Salut Dragibus. J'aime toujours tes manières de me dire bonjour, qui sont toujours très originales. Et qui me font un petit peu mal à mon petit cœur. Qui me font rire aussi. Hop. Hop. Et on se casse à Dallas. Hop, on va regarder Strength. Ah, quoique, on part vers Isaac. On part vers Isaac. De toute façon, là, on va voir qui. On est où? Là, on va voir Mom. On va prendre Yara. Ok, on a dit run Isaac. Parti. Alors, j'ai la carte et évidemment. Les secondes arrivées, c'était vraiment une quiche. Non, non, mais je sais bien que tu. Je sais bien que tu dis ça pour déconner, ne t'inquiète pas. Alors, en haut à droite ou en bas? Eh bien, on va aller en bas, parce que je me plante tout le temps de toute façon, donc voilà, à quoi bon? À quoi bon? Non mais on va pas pouvoir sortir de cette salle en fait. Ah si! Si on a réussi! Au bout de 30 heures... Putain, c'est Little Brimstone qui fait tout en fait. Hein. Si j'avais pas Little Brimstone, je serais dans la merde. Nope. Et voilà, c'était évidemment pas le bon côté. Mais qui en doutait? Ouais.
Ouais, je pense pas assez à bomber en fait. C'est vrai que les. Je devrais bomber plus souvent. Mais je suis persuadé que si je bombe, je me fous les bombes dans la gueule en fait. Ce sera encore plus la honte. Parce que là, je peux dire oui, bon, les ennemis ils étaient durs, tout ça quoi. Et si je bombe la porte et que je me prends la bombe dans la tête, j'aurai aucune excuse. Ok, ça comme ça, c'était cool. Ok. Alors, quel boss? Hein? Oh là, mais on voit rien. Ah, cool. Du tears up, ça, je dis oui. Alors, Gimpy, on dit oui. La dague de sacrifice, je joue mal avec en fait. Je joue mal avec. Et Brimstone, on va prendre. Hein. Quoique Brimstone, 5,60 de dégâts. Dragibus, toi qui. Ok, expert Isaac. Tiens, regarde, pendant que j'update mon nombre de runs, qu'est-ce que tu ferais? J'ai fait. Qu'est-ce que tu ferais? Tu prendrais Brimstone ou tu prendrais pas Brimstone? Dis-moi tout. Tu es déjà parti. Merde. Merde. Merde, il est parti. Il s'est barré. Il m'a juste balancé une saloperie, il s'est barré. Brimstone, all the fucking time, mais j'ai. Voilà. Bon, allez, je t'écoute. Oh! Ah, mais oui! Ah, mais oui! Brimstone avec Tech 10. Ça combotte. Ça combotte, c'est craqué. Oh putain! Oh, ce combo, quoi. Le wombo. Putain. C'est quoi ce jeu? On sait pas où est le boss, quoi. Je dirais en bas à droite. Il est un peu faiblard quand même, hein. Il est quand même faiblard du cul. Je tue pas les ennemis d'un seul coup. Je trouve ça triste, hein. Oh, bah dis donc, c'était pas par là. Alors là, je sais pas comment j'ai fait pour me planter. Dis donc, je suis étonné, hein. Alors, j'espère que vous n'entendez pas les ronflements de mon chat.
Madame est tranquillement en train de roupiller et de ronfler à côté de... Non, je me suis foutu dans le sang. Putain. Deux cœurs qui sont partis. Hop, comme ça, que je ne reverrai jamais. Il y a un jumper, il y a un jumper. Je l'ai buté ou pas le jumper? Ouais. Salle d'arcade. On peut avoir là-dedans. Non, parce que je vais me taper des mouches, ça va me toucher, je vais m'énerver. Face up. Ouais? Non? Non, mais c'est pas, ça me file des cœurs bleus, c'est mieux. Oh là là, j'ai pas vu la troll bombe. La petite troll bombe au dernier moment, là. Alors. Ah là 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 là. Ok. Bon. C'est parti. Merde, 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 je me suis fait... Merde. Je l'ai mal évité. Ok, bah c'est parti pour Isaac. Je pense que je vais arriver à faire Isaac, mais pas... pas Blue Baby. Hein. J'ai... Là... Je suis un peu short niveau cœur, là, quand même. Je suis un peu short niveau cœur. Du speed up, ok. Les modes parties, non. Oh là là, et je vois pas. Putain. Ennemi de merde qui explose. Ah mais non, c'est mon familier qui fait exploser les merdes. C'est trop bien. Tout me pète à la gueule. C'est génial. Ok. Ok. Merde. Bah je sais même pas si je vais faire Isaac en fait, hein, parce que là, une salle un dommage, bah voilà quoi. Va pas me rester grand chose quand je vais arriver. Hein. Ah, putain. Putain, putain. Ok. Booger Tears. Et évidemment, c'était pas par là. Putain de merde!
Et je me plante en plus de sens quand je tire. Mais non! Non, non, mais... Putain... Putain, le truc qui me pète à la gueule. J'aurais déjà jamais dû prendre ce familier de merde. Il m'explose à la gueule, ce con, quoi. Ok. J'y suis bientôt ou pas là? Le jeu là. Est-ce que c'est bientôt que je me fais tuer? Putain, j'ai le stress là. Oh, ça va être une grande salle à côté là. Avec que des fantômes là. La merde. Ok, est-ce qu'il y a des petits rochers marqués? Non, évidemment, ça serait trop beau. Ok, le boss est là. Des bombes. Bon. Allez, c'est parti pour Isaac. Essayer de faire quelque chose avec ça. Oh là 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 là, le truc le plus simple, je me le prends quoi. Le truc le plus simple à éviter, je me le prends en pleine tête quoi. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce qu'il a pris ce con? Faut pas que je me fasse toucher, faut pas que je me fasse toucher, faut pas que je me fasse toucher. Putain, c'est chaud! Ouh, allez, une dernière touche. Ok. Je vais aller chercher des cœurs, voilà, pour pas crever tout de suite. J'avais pas chopé. J'avais pas chopé placenta ou une connerie dans le genre, moi, dans la partie. Bah si. J'ai vraiment pas chopé grand chose dans la partie, quand même. Ok. Bon. Je suis full life. Avec 3 cœurs. Super. J'espère que je vais avoir des putains de bons objets, là. Après, on va arrêter là pour aujourd'hui. La rune bague. Alors. Yara. Boss baby. Ça me fait... Hop, ça c'est cool. Ouais, du tirate. Mais le tirate, j'ai... Oh putain, ouais. Le D6. Oh là là, le D6. Alors. Sinus infection, on prend. Là, le ghost, on prend... Le Toxic Shock, on prend. Le HP Up, on prend. Parce que de toute façon, j'en ai plus. Et le reste, on, lui, on va l'utiliser. Hop. Tac. Et le reste, on va D6. Hein.
Ok. Oh! Mais je suis un connard! Ah non, j'ai toujours. Mais j'ai plus mon. Putain, j'ai plus mon bouquin pour doubler. Oh là là, mais je suis un con. J'ai pas pensé au décis. Putain, j'ai vraiment pas pensé à ça, quoi. Ok, bon bah, va falloir que je m'y fasse avec juste. Juste ce que j'ai là, quoi. Ok. Putain, je suis vraiment pas pensé, quoi. C'est bien, je vais pouvoir recharger mon D6. Ou je vais peut-être crever là tout de suite maintenant, finalement. Finalement. Empress, c'est bien, ça me fera du dommage. Non, 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 je vais... Oh là 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 là. Oh, c'est tellement pas passé loin. Oh, les troll bombes qu'on failli me troller. Ouais, voilà, ça pouvait pas passer deux fois de suite. Hein. C'était impossible. Non, mais non, mais putain, je peux pas les... je peux pas les pousser, les troll bombes, c'est dégueulasse. Adversaire, quoi. Je vais crever ici. Ah non, non, putain, j'ai des cœurs là. Putain, mais. De merde! Ok. Cricket's body. On va dire oui. Imagine sans Brim. Mais ouais, mais je suis même pas sûr en fait que Brim me serve vraiment là. Parce que, enfin, tu vois, il a. Franchement, il fait juste zéro dommage, Brim. Hein. J'avais tech 10, hein. Oh, putain, mais je me fous dessus! Fait de la merde quoi, mais du début à la fin. Merde quoi. Oh là, forcément, j'ai une curse. Alors. Oh, mais non, putain. Je me suis gouré de sale. Je faisais pas gaffe. Ça intéresse à me filer un putain d'objet là. Bon, déjà j'ai trouvé le boss, c'est déjà pas mal. Glass Cannon, ok. Thème Martyr, du dommage. On valide. Ok, on a compris. Voilà, j'ai une curse, c'est chiant. On va essayer de dire. Hop, tiens, Super Secret, qu'elle a ou qu'elle a. Non? Bon, bah tant pis. Et on a The Empress à claquer quand on arrive dans la salle. Eh bah,
On en a moins chié sur lui, sur le reste de l'étage, quoi. Et bah, go. Pas de conneries. On l'a eu. Cambion Conception. Ok, cool. Cool. Bon, on aura débloqué encore des trucs ce soir. C'est plutôt cool. On a fait Isaac et Blue Baby avec l'élite. Et on a aussi fait le Daily Challenge. Et donc, qu'on a réussi. Donc, ça nous fait deux Daily Challenge à la suite réussis. Il nous en manque plus que 3. On va bien voir ce que ça va donner sur le reste. Voilà, au niveau des secrets, on est bientôt à 200. On est à 20 morts, on est ok. Et on est à 60 runs. Jouer à Hades. Bah, c'est bien. Plutôt cool. Alors, attends. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi je peux pas aller sur mon OBS? Si, ça y est. Hop. Donc 60 runs. Hop là. La petite 60e, c'est plutôt cool. Donc voilà. On a nos 60 runs. Et on a nos 20 morts, quoi. Une sur 3 qui termine en mort, c'est quand même moche, quoi. Va falloir améliorer ça, quoi. Clairement, si j'ai envie de faire super hard, il y a un moment où il va falloir que je m'améliore dans le jeu, c'est sûr. Bon bah voilà, petit stream ce soir, c'était chouette, vous avez été chouette, c'était cool de discuter un petit peu avec vous, voilà, j'espère pouvoir streamer dans les jours qui viennent. Je vais essayer d'avoir mon succès sur Twitch, 25 jours streamé en 30 jours, hein, sur 30 jours. Ça peut être pas mal. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Amusez-vous bien. Dormez bien. Et puis à la prochaine. Bye!